Et bonjour à toutes et à tous. Voilà, tape dans le pied, ça commence bien. Donc on se retrouve sur Nintendo Switch Sport. On va regarder d'abord ce qu'il y a dans la boîte, même si normalement c'est pas quelque chose d'extraordinaire, ils l'ont déjà montré. Et puis ensuite, bah, on va attaquer sur le jeu. Alors, je vais ouvrir ça derrière. Ils ont pas mis de scotch, tout va bien. Donc dans la boîte, on retrouve le jeu, donc en version boîte. Normalement, il y a la cartouche en plus, hein, c'est pas un code ou quoi dedans. Je vais vérifier quand même, mais logiquement, il y a la cartouche. Et avec, on a ceci en fait qui est une sangle que vous accrochez à la cuisse pour mettre un Joy-Con dedans. Alors pour l'instant, c'est utilisé que dans un seul jeu, c'est le foot et c'est sur les tirs au but du foot seulement. Moi j'en ai un deuxième comme ça parce que j'ai Ring Fit aussi. Sachez que ça, vous pouvez le racheter sur, je l'ai vu sur Cdiscount, c'est peut-être dispo sur Amazon aussi. Vous pouvez le racheter pour pas très cher si vous en faut un deuxième. Sachez aussi qu'ils vont rajouter le golf en automne, ils ont dit, donc certainement à la fin de l'année, hein, là où tous les gros jeux vont sortir et tout. Et bah pour compléter celui-là, ils vont rajouter le golf. Ce sera une mise à jour gratuite et pas un DLC payant. Donc écoutez, on va se retrouver tout de suite sur le jeu et je vous dirai si c'est bien une cartouche dans la boîte, mais normalement il n'y a pas de problème, c'est une cartouche. On se retrouve tout de suite. Et nous voilà sur Nintendo Switch Sport du coup. Alors comme je vous l'avais dit dans l'intro, c'est bien une cartouche dans la boîte. Il n'y a même pas de mise à jour pour l'instant à télécharger, rien. Donc pour ceux qui ont une connexion un peu pourrie, ce sera tant mieux pour vous. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre quand je serai un peu plus loin. Normalement oui, ça ne devrait pas être trop mal, mais par rapport à d'habitude, ça va être un petit peu. Ça va peut-être résonner un peu, être un petit peu. Voilà. Mais logiquement, ça devrait pas être mal. La prochaine fois, j'essaierai avec le micro-cravate parce que j'ai un fil qui est très très long. Donc, comme vous le voyez dans ce menu, on a un mode pour jouer en ligne parce qu'on peut jouer en ligne. Je m'écarterai après. On a un mode en local, donc de 1 à 4 joueurs. Donc, sur la même console, dans le même salon. Il faut un petit peu de place pour éviter de se mettre des coups dans la gueule, mais on peut le faire. Et donc, on peut jouer à distance avec ses amis aussi, donc c'est pareil que de jouer en ligne, hein, sauf que c'est avec les gens de votre liste d'amis. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va jouer en local. Poco Square, comme je vous l'ai dit dans l'intro, ils vont rajouter le golf. Donc là, vous voyez, on a le volley, le badminton, le bowling, le tennis, le chambara et le foot. Le foot, on va peut-être pas tout tester, mais le foot, de toute façon, on n'ira pas, parce qu'en gros, le foot, vous voyez Rocket League, bah, vous imaginez Rocket League en 3 fois plus lent. Le foot, c'est à peu près ça. Et du coup, c'est le seul sport où ils utilisent la lanière. Alors, je vais y aller doucement sur les sports où il faut sauter, tout ça, parce que j'ai le nerf sciatique parfois qui me chatouille un petit peu depuis 2 jours. Et on va faire le bowling, parce que le bowling, c'était un truc qu'il y avait dans Wii Sport. Et c'était assez rigolo. Et donc, on a le classique et on a un spécial avec des obstacles. On va faire le. Bon, on va pouvoir y aller. Alors, yes, on va commencer. Voilà, on est obligé de faire ça. Voilà, on peut aussi ressortir les mi, je crois. Mais là, bon. Bon, on va se faire une tête normale, on va pas se mettre rose, je suis pas rose non plus. Hein. Je suis un peu blanc, mais je suis pas rose. C'est quoi ça? Ah, c'est les yeux. On va les mettre plutôt vert. On va se dépêcher, mais comme ça vous permet de voir. Par contre, les gars, si vous voulez des cheveux longs, c'est une coupe de femme. D'accord. Bon. Du coup, on va faire ça. Hein. Hop. On va se dépêcher, allez, on s'en fout. C'est très bien. On peut y aller ou... Ouais, bah maintenant, comment on fait? C'est fini. Par contre, ouais, j'ai des... Ah, on peut encore changer tout ça, d'accord. On va regarder. Ouais, allez, comme ça c'est pas mal. Tout ça j'ai pas. Ok. Après faut que je regarde dans les paramètres de la console. Parce que je suis un petit peu.
Et là, j'ai un petit peu coupé normalement. Je suis gaucher, je vais prendre la gauche. Ok. Du coup, j'ai peut-être pas besoin de l'autre pour l'instant. On va l'enlever. Oui, on va s'éloigner du téléviseur. Et puis surtout, n'oubliez pas de mettre la dragonne. Parce que... Alors. Plus, normalement, on peut mettre des effets, tout ça. Bah. Attendez. Voilà. Faut maintenir le bouton. Ah, en fait, à quoi ça sert d'appuyer dessus? Parce qu'on peut pas le lâcher. Je croyais qu'il fallait lâcher le bouton pour lâcher la boule, et en fait, non. Ah, c'est parce que moi j'ai. Le réflexe, au moment où la boule doit partir, je lâche le bouton en fait, mais non, il faut pas faire ça. Ok, bon. On va voir si on peut mettre de l'effet. Ah ouais, ouais. Très bien. On va essayer de mettre de l'effet. Ah, regardez. Ça marche, c'est pas mal. Hop. On va prendre le risque. Ah, joli. C'est pas mal, je suis désolé si vous entendez un petit peu la tondeuse, c'est à l'extérieur. Il me reste une. Et on peut faire ça aussi. Alors, pas dommage. On y va. Par contre, ça réagit bien. C'est pas mal. Toc, je l'ai eu. Là, écoutez, ça marche plutôt pas mal. Donc là, je suis un débutant, donc je sais pas si ça change grand chose. Est-ce que c'est aussi facile en vrai le bowling pour faire des strikes? Parce que je suis pas trop bowling en vrai. De la mettre bien, bien devant. Ouais, voilà. Ouais. Ça se fait bien. Ce qui est pas mal, c'est que ça prend quand même les effets en compte, visiblement. Terminé. 169, je sais pas si c'est bien. J'ai foiré au début, hein. Non, on va retourner à la sélection des sports et puis. Ok. Oui. Laisse-moi tranquille. Est-ce qu'on se testerait pas un petit peu le tennis qu'il y avait déjà dans Wii Sport? Maintenant, on va se tester le volley. Là, j'imagine qu'il faut les deux. On va le mettre en normal. Est-ce qu'il faut les deux ou pas? Oui, j'ai suffisamment d'espace.
Je crois qu'il en faut qu'il y a encore. Donc ça c'est bien. Est-ce qu'on en... Oui, on enregistre bien. Alors, on va faire le tuto hein, parce que réception, smash, machin. Donc en plus, il y a une histoire de rythme. Enfin, de rythme. Genre de timing. Il faut le faire au bon moment, un peu comme les jeux de tennis. Quand vous renvoyez le ballon, il faut vraiment le faire au bon moment. On va se camper bien sur les jambes. Hop, on va le faire correctement cette fois. Bon, voilà, ça passe quand même. Déplacer rapidement le Joy-Con vers le haut pour sauter. Il va glisser des mains. Heureusement qu'il est attaché. Ok, donc pour l'instant, il faut juste sauter. On va juste sauter. Je vais placer rapidement le Joy-Con vers le haut pour sauter et vers le bas pour se matcher. Ok. Donc cette fois, il va falloir faire les deux. Boum! Il est dedans. T'en veux tout là, je pense. Ah non, c'est mal. Et à chaque fois, on est dedans. Ah, il fallait peut-être que je me déplace. Non, c'est bon. Trop tard. Ok, bon après, voilà. Il y a des tutos, donc je suis obligé de les faire, ça nous permet de voir en même temps. Vous savez ce qu'on va faire? On va quitter le tuto. Et on va jouer. Pas grave si on n'a pas toutes les commandes. Le but c'est quand même de faire une vidéo. Il n'y aura pas non plus des plombes. Hop. Hop, tiens, on prend là. Hop là. Bon, je vais pas vous mentir qu'il y a des fois, je fais des trucs un peu arrache. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement les bons gestes, ça arrive à marcher quand même. Hop là, vas-y. Dommage. Ça passe. Allez, je l'ai compris. Elle est pour nous. Allez, on va lui mettre une belle passe. Voilà. On a le rythme. On a une 3-1. Vous comprendrez que c'est un jeu accessible, hein. C'est pas fait pour être difficile ou... Dommage.
C'est pas bien placé. On va lui faire la passe. Ouh! Allez, on va essayer de se mettre bien. Allez, on met une 4-2. On va essayer de faire ça bien. On va essayer de le gagner ce match quand même. Allez, allez dedans. C'est bon. On va aller à la sélection de sport. Voilà, la vidéo n'est pas trop longue. Après, j'ai la caméra qui est incrustée, donc ça va être un peu plus long à rendre. Et un peu plus. Comment dire. Un petit peu plus lourd. Je testerai bien ça, le champ de barrage. Tout est prêt. On va mettre en normal. Toujours en gauche, hein, j'ai pas changé. Alors, sabre, sabre d'énergie ou sabre jumeau. Bon, on va mettre ça. Écoutez. Oui, oui, ça c'est bon. Face à nous, on voit que c'est assez précis. Hein. Il démonte sa mère là. Là, ça ressemble un petit peu à la boxe. On va rester appuyé du coup. Hein. Je pensais qu'il y avait une notion de timing, mais non. Après, voilà, il y a des diagonales, horizontales, verticales, tout ça. Ok. Est-ce qu'on peut lui claquer sa grosse tête? Voilà. Allez, on peut y aller, fin du tuto. Bon après, comme d'habitude sur les jeux Switch, j'allais dire oui. Voilà, remarque, voilà. J'allais vous dire, comme d'habitude, comme sur tous les jeux Switch, techniquement, c'est pas foufou, il y a surtout plein d'aliasing, mais bon. Allez, battez-vous, battez-vous. Allez, Carlos. Allez, voilà un peu. Élaborer des tactiques, mais on peut aussi y aller comme un bourrin. Et... En plus, avec de l'eau en dessous, c'est un peu dangereux. Hein, parce que le mec, vous l'assommez avec le sabre, vous tombez à la fin qui se noie. Hein. Si les personnes. Bon, au moins, ils ont mis des petits bonhommes à l'arrière. Allez, battez-vous, battez-vous. Bon, je peux faire reculer, mon pote, ici. Hein. Et boum! C'est bon, il va rentrer chez lui plein de bleu.
Terminalo. Pas mal. On a 20 minutes. Je sais pas comment je vais réussir à récupérer la vidéo de mon téléphone. Puisque, malheureusement, il y a bien un truc chiant sur l'iPhone, c'est pour récupérer les vidéos aussi avec iCloud, parce que sinon, en le branchant au PC, c'est compliqué. Il y a un truc qui me manque d'Android. Est-ce qu'on fait un dernier truc ou pas? Non, on va s'arrêter là, je vous laisserai découvrir le reste. De votre côté, on va aller voir les options, il y a des réglages. Ok. Couleur alternative, c'est quoi ça? Ah, c'est peut-être pour les... Merde, j'ai perdu le nom. Bref, vous m'avez compris. C'est pas grave. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai tourné une autre vidéo avant celle-là, que je vous posterai après, du coup. J'en ai une autre de prévue début mai. Puis après, au mois de mai, il y a au moins 2-3 vidéos qui vont sortir. Au moins 3, je crois, qui vont sortir. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, je ne sais pas. Il y aura un MX versus ATV. Il y aura Sniper Elite. Il y aura un autre petit jeu le 5 mai. 5 ou 6, hein, je ne sais pas quand est-ce que sortira la vidéo. Il y a mon autre vidéo, du coup, que j'ai prévue, là. Enfin, que j'ai déjà tournée. Donc, voilà, il y a de la vidéo qui arrive. Après, au mois de juin, je ne sais pas. Je ferai peut-être un let's play sur quelque chose pour cet été, parce que je vais sûrement partir un peu en vacances cette année. Donc voilà, écoutez. En tout cas, pour le mois de mai, il y a des vidéos. Pour le mois de juin, je ne sais pas encore, mais normalement, il y en aura. De toute façon, je trouve toujours des trucs à sortir au moins une fois par semaine. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous!